Et bonjour à tous les amis, c'est Eddy, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette aventure sur Pokémon Prism. J'espère que vous allez bien. Et donc, à l'épisode précédent, on avait fait pas mal de trucs entre l'avant-ville, entre la recherche de Shibana, tout ça. Et toutes nos recherches, tout ce qu'on avait fait, nous avait un peu amené à découvrir la Team Nebula, la Team Infini. Et donc, la conclusion, c'est qu'on doit se rendre à la centrale. Et du coup, on est encore à l'avant-ville, à la centrale. Comment est-ce qu'on fait pour s'y rendre déjà? Je crois que c'est juste par au-dessus, mais il y a un moment où il faut tourner. Bah là, il faut passer par là, mais... Parce qu'en fait, je me rappelle quand j'avais fait, je vous avais expliqué, j'avais fait une première vidéo de... où je recherchais Shibana, je l'avais pas trouvé. Et je me rappelle que j'avais cherché à la centrale, et je sais que j'avais réussi à y aller. Ah bah d'ailleurs, je pense pas pouvoir y aller quand même par vol. De toute façon, il n'y a pas de centre Pokémon, donc ça m'étonnerait que je puisse y aller par vol. Mais peut-être un moyen plus facile pour y aller, non? En attendant, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, je vais mettre un repousse. Ouais, bon, ça va les repousses, on en a encore pas mal. Oui, en tout cas, sinon, je voulais juste dire, par rapport au rythme des vidéos, je trouve que j'ai pas mal avancé ces derniers temps. Je suis content, je réussis à tenir le rythme pour l'instant. J'espère que ça va continuer comme ça. Alors aussi, juste là c'est par rapport à Pokémon Prism, on va parler des quêtes qu'il faudrait que j'essaye de les faire un peu plus. Enfin on m'a Shadows Bellatrix qui aimerait que j'essaye de les finir. Alors déjà il y a ça que je pourrais faire, Sensei du dojo de Safronia, mais je crois que ça on peut pas. Gérard du restaurant me semble, on lui ramène un Ronflex. Quand on a battu le Ronflex, je crois qu'on a perdu notre possibilité de faire cette quête il me semble. Et voilà, je vais essayer peut-être dans... Ça va, il faudrait que je le fasse, ça j'ai fini de battre les Roukoul et de prendre un Plefabec. Bon, il y a deux, trois quêtes que je pense que on pourrait faire rapidement. Ok, donc là je suis allé dans un chemin... je ne sais pas où je vais. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je me dirige. Et je pense qu'il faut ressortir de... Mais en fait c'était quoi à la base, on est entré par... Je me rappelle plus ce qu'il y a de l'autre côté. Je veux juste sortir, hein. Oui, il repousse, ok. Je veux juste sortir, je crois qu'on y est presque. Ah, ok, attendez. Je crois qu'on y est presque. Il me semble qu'on n'est pas... Il y a ça, et après je crois qu'il y a peut-être une dernière échelle. Ouais, genre on descend, et... Ah! Non. Et je crois que ça se rejoint, les chemins que j'avais testés, ça se rejoint le... Éclatroc, ouais, vous voyez, ça arrive au-dessus. Éclatroc sert à rien. Oh mon dieu, mais on sort jamais de cet endroit. Et si je fais... Ah, mais si je fais corde sortie... Oh, bonjour. Ok, cette zone est réservée... Ok. Ouais, si je fais corde sortie, je vais arriver du côté de l'avant-ville, de toute façon, je pense. Attends. Non. Voilà, c'est ici qu'il faut passer, du coup. Allez. Ah, parfait. Voilà. Et c'est là qu'il faut prendre le cours d'eau, là, le chenal, je ne sais pas combien. Attends, on va pas prendre les coupes. Voilà. Et là, normalement, ça nous mènera à la centrale. Si je m'étais rappelé. Quoique, vous avez vu, du coup, il y a un centre Pokémon. Et on aurait peut-être pu aller directement, je sais pas. Alors, je l'avais déjà vu, cet Élector. Oh là, pardon, je baille. Oh, mon dieu. Je l'avais déjà vu, mais on peut pas. Enfin, il se passe rien. Je crois qu'on peut entrer et... Bonjour. J'avais déjà vu, il y avait déjà ces messieurs. Mais il n'y avait pas ces mesdames et messieurs de la Team Infini. Donc écoutez, on va peut-être pas le mettre en premier. Si, je sais pas qui vont l'utiliser, mais... non, on va mettre... Ah, mon dieu. On va mettre... lui en premier. Et on va mettre Nezumi un peu dernier. Parce qu'il a un peu d'avance. Alors, les Team Infini, on va les battre. Les autres scientifiques, je pense pas qu'ils nous affrontent. De toute façon, ça serait assez étonnant parce qu'on vient... On va venir les sauver, à moins qu'ils soient de leur côté. Mais je ne sais pas. Très bien. 58. Ouais, il faudra pas tarder à faire peut-être un peu d'entraînement. Parce que là, c'est vrai que... Voilà. C'est vrai que ça commence à être... Aïe, ça commence à être compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais un petit peu. Ok, on va lui refaire cruel. Normalement, il nous met pas KO. Hein. Et sauf s'il nous fait coup critique, c'est vrai. Sauf s'il nous fait un coup critique. Bon, Ryu, hein, je pense, ira.
Surf. Bon, après, s'il y a trop de dresseurs à la team infinie, même si c'est cool, je pense que j'en souhaiterais peut-être quelques-uns pour vraiment faire des choses, quoi. Pour vraiment avancer et pas faire que des combats. Et puis hier, l'épisode précédent, c'est ce que j'avais fait, il me semble, et on avait quand même au final, du coup, réussi à faire pas mal de choses avec la team Nebula, la team infinie. Mais bon, voilà, on n'en sait rien pour l'instant. On va voir. Bref, je sais pas pourquoi je répète les choses deux fois. Mais j'aime bien, je me dis que ça rend ma phrase plus intéressante. Ce qui n'est pas forcément le cas. Par exemple, là, j'allais répéter ce qui n'est pas forcément le cas. C'est incroyable. Super bonbon, j'ai pas de rappel. Et je sais que j'ai un centre Pokémon à deux pas. Ah non, quoique, il faut remonter. Non, faut quand même remonter le cours d'eau. Ah non, c'est quand même loin. C'est quand même très très loin. Du coup, lui, comme il est au début de sa barre d'expérience, autant lui donner le super bonbon suivant, écoute. Voilà. Donc, comme ça me perturbe qu'il soit niveau 58 en plein milieu, on va le mettre là. Donc, on continue. Mais après, je me demande... on va passer directement à lui. Je me demande ce qui se passe. Après, tu crois vraiment que je vais te laisser passer? Je sais pas. Au fait, je sais pas si je l'ai fait, la vidéo... à partir du moment où vous écoutez cette vidéo. Bref, c'est pas très français, mais en gros... on a dépassé très récemment les 3000, j'allais dire les 3 millions, non pas encore, les 3000 abonnés sur la chaîne. Et du coup, c'est vrai que j'ai voulu faire une petite vidéo. Bon, après, je sais pas, parce que 3000, le chiffre en lui-même n'a rien de. Le nombre en lui-même n'a rien de particulier. Mais bon, c'est vrai que je fais pas souvent. Après, je me dis, est-ce que j'attendrai. Les 5000 peut-être qu'ils sont plus symboliques, peut-être les 5000, si on y arrive un jour. Après, je pense que c'est pas impossible d'y arriver un jour. Bon, en 2017, bien sûr, ce sera en 2017, mais peut-être, je sais pas. Je ne sais pas. Mais bref, c'est vrai que je voulais faire quelque chose. Après, il y a quelques idées que j'avais en tête, mais bon, je garderai peut-être pour plus tard, je sais pas. Donc voilà, peut-être qu'il n'y a rien qui est sorti, mais en tout cas, je vous remercie. Je pense que je vais le dire, en fait, dans chaque... On va dire, après le moment... À partir du moment où on a dépassé les 3000 abonnés, je risque de le dire dans chaque différent let's play. Par exemple, il y a eu le palier... Mais il faut que je le recombatte. Il y a eu le palier des 3000 abonnés, et je le dis dans le 12e... Je sais pas, 12e épisode, je sais pas où on est. Le 12e épisode de Pokémon Prism, non, 13e. 12e ou 13e, je sais plus. Ah mince, du coup, bah écoute, tant pis pour lui. Mon E4, rien. 12e ou 13e, donc après, il y aura dans Insurgents, voilà, je pense que je vais... C'est possible que je le répète. En tout cas, merci beaucoup les amis, surtout que c'est... là, vous pouvez pas voir, mais avec les analytics YouTube, je peux voir, mais le nombre d'abonnés, c'est les 28 derniers jours. Et ces 28 derniers jours, il y a eu un nombre, c'est assez fou. Il y a eu plus de 300 abonnés ces 28 derniers jours. Et même ces 28 derniers jours, il y a eu, on en est à 89 000 vues. Et encore, ça ferait un mois, ça ferait plus de 90 000. C'est vraiment la période, c'est très étonnant. Même à la période de Éclat Pourpre, je n'ai pas dépassé 90 000. Enfin là, je suis à 89 000, je pense que ça peut dépasser les 90 000 sur les 28 derniers jours. Mais je sais pas comment ça se fait. Je sais pas si c'est le fait qu'il y a un retour de vacances, ça a créé une vague de gens qui retrouvent YouTube. Je sais pas, mais c'est assez fou. Et voilà, pour ça, je vous en remercie. Et du coup, je vais vraiment essayer de continuer à être régulier. Là, j'y arrive un petit peu en ce moment, je vais essayer de continuer. En plus, c'est vrai qu'il y a juste le souci que j'ai... Bah, du coup, il y a Pokémon The Movie Game qui s'est mis en pause, du coup. Ensuite, j'ai quand même trois jeux en même temps et j'aimerais beaucoup lancer Pokémon Uranium parce que j'ai envie d'y jouer et le jeu a l'air génial. Puis vous avez réservé un accueil assez fou aussi à Pokémon Uranium. Là, on a plus de 1300 vues en même pas une semaine, ce qui est pas courant chez moi en tout cas. Donc, j'aimerais beaucoup le lancer, mais après, ça ferait 4 let's play. Après, ce que j'avais pensé, c'est 2 vidéos sur les 3 let's play principaux et une vidéo par semaine peut-être sur Uranium. Je ne sais pas, ou alors c'est un autre let's play qui va passer en pas principaux. Voilà, je sais pas, faut que j'y réfléchisse.
peut-être aussi une vidéo, ça pourrait me permettre de mettre au point. Parce qu'après, si, désolé, je parle, je mets 2 minutes à parler de ça. C'est que je sais, des fois, il y a des fois où j'ai dit je ne veux pas faire trop de let's play en même temps. Mais en fait, en même temps, je me dis que chacun a son let's play. Par exemple, là, Pokémon Dark Rising, Origins Worlds Collide, je sais qu'il y a. C'est pas forcément les mêmes qui vont regarder Pokémon Prism aussi, parce que Worlds Collide, il y en a qui aiment beaucoup le jeu avec les Digimon, il y en a qui ça dérange pas les jeux anglais. Sur Pokémon Prism, bah, on va retrouver ceux qui aiment les jeux français, ceux qui regardent que les jeux français. Puis après, Insurgence, peut-être que ça mélange les deux, peut-être c'est encore différent. Voilà, donc. Et puis moi, j'aime jouer aux jeux. En tout cas, en ce moment, j'apprécie de jouer à plusieurs jeux différents. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je ferai peut-être une vidéo plus précise pour en parler, plus dédié à ça peut-être, je sais pas. Mais j'aimerais bien commencer Pokémon Uranium, je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Jouer, guerre, ça suffit, négocier, haha. Ok, donc elle aussi elle a pété un câble. Et je dois parler à qui? Parce qu'il a dit de rien casser. Donc évidemment, il faut tout casser. C'est le générateur principal, bon boulot banane. Ah, il y a le mec louche. Ah non, c'est pas le mec louche. Je suppose que la team infinie ne t'a pas trop donné de fil à retordre. Par contre, les employés de la centrale sont devenus fous, le rayon des ondes s'est encore agrandi. Bon, je vais éteindre ces centrales moi-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Et zut, la machine est piégée, celui qui essaye d'atteindre la machine est sûr de prendre un gros coup de jus. Bon, dans ce cas, il ne reste qu'un seul moyen d'atteindre tout le système. Comment il a deviné? Tu devrais reculer aussi. Il va faire quoi? Lamantine, à toi de jouer. Attends, tu vas pas sacrifier ton Pokémon hein? Allez, gêne-moi tout ça. Ah, j'ai cru qu'il allait se sacrifier. Oh, un membre de la team Infini s'est enfui. Un second aussi. Bon, ils se sont tous barrés. Oups, je crois que je viens de tout couper. Ah, mais il a coupé l'électricité de toute la région. Et là, les gendarmes qui arrivent, tu vas te faire mettre en prison. Chef, je viens d'apprendre qu'il n'y a plus d'électricité dans tout Kanto. Et concernant la machine, bonne nouvelle, celle-ci s'est arrêtée de fonctionner. Bien, bien joué. Ah, mais quel accident. Quelle excellente idée j'ai eue. Attendez, chef, j'ai une autre bonne nouvelle. Shira tentait de s'enfuir en hélicoptère sur le toit du centre commercial de Céladopol. Et un foufur, et l'admin Joe Wave lui a tiré dessus avec un de ses Pokémon. Ah oui, ça va être un. C'est lequel, Joe Wave? C'est celui qui a des cheveux un peu bizarres, cheveux de toutes les couleurs. Excellent, il aura droit à quelques biscuits pour cet acte. Super, on dirait un chien. Vous avez arrêté Shira? Non, malheureusement, mais cette dernière va tenter de s'enfuir en détournant l'océan. Dans ce cas, nous devons nous rendre à Carmin-sur-Mer et la stopper. Pour la centrale, nous verrons plus tard. Lamantine, très bon boulot, reviens. Ok. Donc, on a. C'est moi qui avance, ok. Donc, on a résolu une quête. Je ne sais pas bien ce qu'on a gagné avec. Eh, mine de rien, je n'ai fait pas mal de ces quêtes. Attends, c'est laquelle qu'on a. Ah oui, on a gagné 300$, très bien. Alors, juste, Yannick, on peut peut-être faire rapidement parler à pêcheur de Magikarp à Azuria. Je pense qu'au Mystique, ça peut être pas mal à récupérer. On va faire ça rapidement. Ensuite, de toute façon, on doit aller à Carmin-sur-Mer. Donc, on va faire ça dans la foulée. Azuria. Donc, pêcheur. C'est ça, attends, on va se soigner. Je sais pas quel pêcheur on doit parler exactement. Parce que quand on prend le pont en haut, on n'est plus Azuria. Donc, ça a l'air d'être vraiment Azuria. Hein. Alors, est-ce que c'est pas lui? Par hasard. Capture un élévateur et montre-moi sa fiche Pokédex. Bon, je retourne pêcher un Magikarp. Ah mais oui, mais j'ai pas rempli les conditions. C'est vrai que... Non, attends. J'aimerais bien hacker, capturer et montrer lui un élévateur. Non, mais comme il y avait que faire, il y avait qu'un seul truc. Ok, donc ça, bon, on peut pas le faire maintenant. Ça, je vais pas tout d'un coup attraper un élévateur, mais j'essaierai de le faire, parce que je crois que c'est rapide à entraîner, au final, un Magikarp. Ça, je peux peut-être le faire. Ça, bah, on y va. Ah, du coup, ça nous a fait une nouvelle zone. Parler à Sensei du dojo, parler à gérant du restaurant, ça, il faut que je ramène un Ronflex, je sais pas comment je vais faire. Aller chercher une Sensei du dojo de Safrania, qui s'en met plein de bides. Ok, en fait, il y a... Attends, on va faire rapidement un tour à Céladopol, parce qu'il faut chercher le gérant du dojo, enfin, le gars du dojo, il se trouve à Céladopol, et je crois que le resto s'ouvre que si on ramène... C'est lui le restaurant? Non, ça c'est le casino. Le restaurant, je crois qu'il est un peu plus bas. Ouais, je crois que c'est celui-là le restaurant. Il me semble. Mince. C'est le restaurant et. Tu as ramené le Ronflex? Non. Du coup, il y a déjà ces quêtes que je peux pas faire pour l'instant. Par contre, il y a. On va s'envoler. On va passer par Argenta. Oh, quoique non, je crois que. Ah, si, on est obligé de passer par Argenta. Ah, mais si, je peux passer direct par ici.
On va trouver le mec pour la récompense, ça fera toujours une quête de plus. En tout cas, voilà, Shadows Bellatrix, je te montre que j'ai l'intention de finir les quêtes si possible, je pense que ça peut être intéressant. Mais voilà, il y en a que je peux pas faire tout de suite. Je sais pas quel mec c'était. C'est qui m'a demandé homme étrange? Il y en a plein de mecs étranges. Quoi? Ah, mais faut que je l'ai dans mon équipe. Le Piafabec. Attends. On va faire ça rapidement. C'est pas mal qu'ils aient transformé. Enfin, qu'on puisse faire vol jusqu'à ce mont Sénith. Ouais. Voilà. Et Piafabec. Je pense que c'est. Ce sera bon. Je vais pas le mettre devant parce que. Non, c'est bon, il y a Kikai devant. Parce que j'allais te dire. J'ai pas envie de me trouver avec plein de Pokémon sauvages. Parce que même si j'ai. Enfin, si j'ai un repousse, ça servira à rien si j'ai Piafabec devant. Donc, on fait rapidement ça. Et après, vous en faites pas. On va à Carvin-sur-Mer pour aller voir l'océan. Bon, ça donne quoi? Oh, le colis qu'on a volé. Oh, mon précieux colis. Bon, on a tout vu. On a tout vu, on a tout compris. Quête au voleur fini. Vous obtenez une Super Ball. Je ne savais pas que ça existait des gens aussi idiots. On a volé ce colis. Ah, sans toi, mon chef m'aurait tué. Merci encore, pigeon. Ok, super, merci. De rien, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Donc, pour juste résumer là où on en est. Voyage à Kanto. Donc ça, bah, il faut l'arène, il faut parler à Professeur Shen. Donc, il faut tous les badges. Pour l'instant, c'est pas possible. Ça, eh bien, il faut un Léviator. Pareil pour Ronflex, il faut un Ronflex, donc ça je suis de... Alors Ronflex, je sais pas comment on peut faire le Léviator, ça devrait être possible, on trouve un Magikarp pour faire évoluer. Alors, il y a encore... Bah oui, quelle idée de rendre le colis aux voleurs, aller le chercher à travers tout Kanto. Bah oui, c'est bien fait, il fallait pas leur rendre leur colis. Donc il y a pas mal de gens, donc il y a le policier Argenta qu'on peut faire. Il y a ça à Océane qu'on va faire. Et ça, bah ça sera fait qu'avec le Ronflex. Donc il y en a qui sont possibles. Je vais parler vite fait au mec, peut-être au policier d'Argenta, ça peut se faire. Je préfère y faire pendant que je suis un peu dans le truc parce que j'aurais peut-être pas le courage de m'y remettre. Alors le policier d'Argenta, je ne sais pas où est-ce qu'il peut se trouver. Alors, Max repousse, non, là ça ira. Je sais pas qui c'est le policier d'Argenta en fait. Est-ce qu'il est dans une maison? Non. Je sais pas, ça c'est pas un policier le mec juste en dessous. Non, je vois pas pourquoi le policier serait dans une maison en attendant. Peut-être qu'il est plus... Ah mais là je suis plus argentin. Là je suis plus argentin donc... Est-ce qu'il y a dans un centre Pokémon? Non. Et là... non, le mec il est en train de jouer à la GameCube. Oui, après je change de zone. Toi t'es pas policier. Toutes mes félicitations. Merci. C'est très gentil, toi t'es pas policier. Félicitations jeune homme, je viens de la région de Sinnoh. Ok. Ah, ok, je viens d'avoir une nouvelle quête. Je cherchais à me débarrasser de certaines. Je viens d'avoir une nouvelle quête. C'est quoi la quête? Mince, la quête Pokémon lunaire. Donc il faut prendre un Milofé, un Rondoudou, parler à Homme de Sinnoh, Argenta. D'accord. Bonjour, bienvenue. Et le policier d'Argenta, je sais pas où il est du coup. Je ne sais pas où il est. On va parler à tout le monde. Après, on va quand même aller à l'océan puisque ça va faire quasiment 20 minutes. Donc, toi, t'es peut-être policier. Peut-être que dans le musée, il y a un policier. Ah, peut-être le mec. Bah, c'est le seul. C'est ce qui ressemble le plus à un policier. Tu voudrais en savoir plus sur les braqueurs de la banque de Jadiel. Si c'est un gomme comme les autres, ils savent que la police est sur leur trace, donc ils vont se séparer. J'ai entendu dire qu'il y avait un peu plus de pollution à Carvin-sur-Mer dernièrement, peut-être sans lien avec eux. Ok, est-ce que c'était bien le mec avec qui il fallait parler? Ok, c'était lui. Et bon, bah maintenant, il n'y a pas les villes de marquer, donc on va aller à Carvin-sur-Mer, continuer notre recherche, notre poursuite de la team Bidule. Avec Carvin-sur-Mer, donc ça devrait se trouver là. Non, pour pas être chouette. Non, ça devrait se trouver où, là? J'arrive pas à m'imaginer où est-ce que ça pouvait se trouver. Alors je vais récupérer quand même, je suis pas fou, je vais récupérer mon colossinge. Est-ce que j'ai pas de Mélofé et de Rondoudou? Ouais, j'ai quand même un Mélofé. Donc il me resterait juste à attraper un Rondoudou, ce qui est possible. En plus, je crois qu'il y en a un juste avant le Mont Sénith. Donc voilà, il y a peut-être cette quête qui peut être faite dans pas longtemps. Mais voilà, je pense que ça peut être rigolo. Ça nous fait parler à pas mal de gens différents. Je pense que ça peut être rigolo de faire ces quêtes. Et il y a pas mal de Pokéball. Alors, je sais pas à qui je dois parler.
Excuse-moi, nous avons un problème. L'océan subit une attaque. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en supplie. Vous devez éliminer ces mécréants. Il n'y a pas de souci, Oh, elle s'est barrée. Ok, elle devait avoir un peu peur, je pense. Ouais, je vais monter à bord parce qu'il y a Team Infini. Oh là là, il y a encore plein de monde. Ok, si on peut les éviter. Mince. Je suis tombé en plein dedans. Bon, après, on va pas tous chercher à les éviter non plus, mais. Mais bon, il faut bien faire quelques combats. Alors, il n'a pas, d'ailleurs j'allais dire, il n'a pas de type en particulier, j'ai l'impression au final. Kikai, hein. Mince, c'est pas le bon. Ouais, bah, je vais essayer de mettre Nezumi, mais je vais me prendre deux attaques et je vais mourir, donc en fait, c'était peut-être pas le bon plan. Résiste. Ouais, non, là, il... Ah, parfait, bah, du coup je suis plus rapide. Parce que je pense pas que j'aurais été plus rapide s'il n'avait pas été paralysé. Je sais pas, on le saura jamais. Donc normalement il est KO parce qu'il résisterait, qu'il résiste pas grand chose, il est fort mais à l'inverse il résiste pas énormément. Alors mince, oui, du coup ça rapporte pas beaucoup d'expérience hein. J'aurais pu mettre Kikai là. Bon, on va le faire monter niveau 60. Direct toxique. Ah ok, j'aurais dû mettre Kikai. Ça aurait été peut-être plus malin. C'est pas grave. Psycho. Ah, hydrocanon quand même. Allez. Ah, ça va, il résiste bien. Il résiste bien. Il en a que deux après donc. Ah, je sais pas s'il y a des zones pour se soigner dans l'océan. Ce serait vraiment bien parce que je vais pas faire 20 000 allers-retours. Hein. Enfin, s'il faut le faire à un moment, je le ferai, mais bon. Mais bon, je sais pas. On va voir s'il y a une zone pour se soigner. Je pense que oui. Enfin, c'est ce qu'il y avait avant, hein, dans les chambres. Il y avait une zone pour se soigner normalement. Ah, voilà, un niveau de plus, c'est parfait. C'est parfait. Alors, ok, est-ce que là par hasard, peut-être même dans cette chambre, est-ce que je peux pas me soigner et me reposer là-dedans? Non. Attends, lui. Ok, non, il n'y a pas de chambre ici, je suis bête. Alors là, j'ai vu qu'il y avait un mec, je pense pas qu'on puisse se reposer comme ça. Mais comment ça se marche ce bidule? Ok, bon. Tant pis pour les Pokémon KO, écoute, tant pis pour Nezumi. De toute façon, il est en avance, donc c'est pas la fin du monde, mais bon. Alors, on va mettre. Non, c'est pas... Pourquoi ça marche pas? Ah, d'accord, il fallait faire X. On va mettre Shinobi devant. Et voilà. Je sais pas par où rentrer, par où passer moi. Et c'est pas notre chambre celle-là, non. Je parle au lit quand même, on sait jamais. Qui nous propose de nous reposer. On sait jamais. Tiens, j'ai l'impression qu'on va en avoir pour un petit bout de temps quand même. On va voir, écoutez. Culbut ok. Eh, ils lui ont mis son cri de l'animé, non. Je sais pas. Je sais pas trop. On va faire un grincement en attendant de voir. Oh non. Ah mince, en attendant de voir ce qu'il va faire. Voilà. Prélèvement destin. Ok, on va refaire un grincement. Oh mais ça a pas 50% de précision ça. Parce que là ça a raté 2 fois sur 3 points. Enfin 2 fois sur 4. Ok. Non mais trop. Mais c'est incroyable. Incroyable. Mais ouais. Voilà. Donc là je peux pas faire plus. Il n'a pas fait prélèvement destin. On va tenter l'assurance. Normalement, je pense que ça devrait le faire. Hein, parce que je vais baisser sa défense au max quand même. Allez. Ok, on évite le riposte. Ça, c'est une. Ça me fait rire. Ça, c'est une très bonne chose donc d'éviter le riposte. Voilà. Donc, lui, on l'a. Bon, là, évité, c'est pas mal. Donc là, le mec. Je sais pas, on va essayer de descendre. Ok. Alors, du vent. Ah, on peut peut-être pas venir tout de suite. Où est-ce que tu te crois là, où est-ce que tu crois que tu vas là? Cette salle n'est pas faite pour les enfants, on va jouer ailleurs. Ouais, d'accord, donc on peut pas venir tout de suite. On a d'autres choses sûrement à faire un peu plus loin. Donc on va descendre. Bonjour. Va-t'en, tu vois pas que je suis caché? Excuse-moi. Non, je peux pas me. Je peux pas dormir. Allez, si je peux t'éviter. Ok, mince. Ah mince, je suis con. Purée. Je voulais entrer dans la chambre et j'ai pas réfléchi. C'est pas grave. C'est pas grave. On a quand même évité quelques-unes. On en ferait quand même quelques-unes en combat, c'est important. Tentacruel. Enfin, lui.
Lui, par force, je vais pas faire grand-chose. Oh, ça va, ça fait quand même quelques dégâts, c'est pas trop mal. Continue avec force. Allez, Shinobi, tu es un vrai ninja, tu es un vrai Shinobi, attention! Attention, 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 attention! C'est dingue qu'il ait pas résisté quand même. C'est incroyable. Bon, allez, on va mettre lui. Par contre, faut vraiment que je trouve un endroit pour me soigner parce que là, ça va commencer à être dur. Enfin, 2 sur 6, ça fait quand même 60, enfin, 33%. Donc bon, voilà, Tentacruel encore, très bien. Bah, Kikai, continue, hein. Ça te permet de t'entraîner, pour voir les choses comme ça. Normalement, toi, bon, on a vu que ça te faisait pas énormément de choses. Ah, Kikai, je suis vraiment content de l'avoir pris dans mon équipe parce qu'il est puissant et il fait des dégâts, donc je suis content. Il a fait quoi là? Il m'a enlevé des PV? Je suppose que oui, parce que ça fait quand même le bruit de l'attaque, mais alors là, je l'ai pas vu, hein, les PV, j'ai pas vu. Je crois qu'il m'a enlevé 3, parce que j'étais à plus de 120. Et j'étais. Enfin, j'étais. Ouais, j'étais pas à 120. Enfin, j'étais un peu plus. Bon. On continue. Bah là, on va tester ici. Toi, tu me proposes pas de me soigner. J'ai payé pour cette chambre, donc j'en profite. Mais t'as raison. Tu as raison. Je vois pas pourquoi la chambre d'à côté, je pourrais. Je pourrais, mais ouais, voilà. Je vais quand même tester. On sait jamais. Alors. Ah, il va pas lâcher. Je dois passer par là. C'est la suite du chemin, de toute façon. On va mettre Ryu devant, écoute. On va le mettre devant. J'ai pas lu ce qu'il m'a dit, mais c'était pas important. C'était pas important, vous en faites pas. Après celui-là, si je vois qu'il en reste encore beaucoup, je pense que je vais faire une petite pause pour aller me soigner. Et je sais pas si je peux sortir du bateau d'ailleurs. Mais en tout cas, pour aller me soigner et pour faire quelques monsieur en avance. Quelques madames aussi, parce que je pense qu'il y a des madames dans la team infinie. Au moins, c'est peut-être des cons, mais au moins ils sont mixtes, ils respectent la parité l'égalité des sexes, vous voyez. Donc c'est très bien. Non, je dis des bêtises. Enfin, j'en sais rien en fait, je sais pas s'il y a des hommes ou des femmes. Pour moi, ils sont les deux en même temps. Enfin, je trouve qu'ils ont un look assez. Assez. Bah, il fait les deux. On m'a dit qu'apparemment ça se disait non-binaire. Alors j'ai trouvé ça assez surprenant, mais après on m'a dit qu'en anglais c'était non-binary. C'est une amie qui, une dernière fois on en parlait à propos de Pokémon Uranium, l'amie qui m'a fait découvrir Pokémon Uranium. Eh bien, bah vous savez en fait, quand on peut choisir le sexe, on a le choix entre un personnage qu'on comprend qu'il est féminin, un autre qu'on comprend qu'il est masculin plutôt, et un autre qui est entre les deux. Et apparemment en plus, plus loin dans le jeu, ils disent pas he ou she, ils disent them. Enfin bref, ça pourrait dire que apparemment on dirait non-binary, non-binaire. Donc je trouve ça étrange, mais ça fait un peu ouais ordinateur, données informatiques. Mais bon, écoutez, écoutez, bonjour, toute l'équipe de l'Océane se joint à moi. Ok. Donc là, ça discute. Ah d'accord, ils prennent quand même le repas. Ok, tranquille. Ils prennent quand même le repas tranquillement. Bah écoute. Ils ont raison, hein, la team infinie, ils ont raison. Profitez-en pour faire une croisière. Alors, donc là, il y a un mec qui est en train de discuter. Je vais voir si je peux pas me soigner. Ils ont dit que ma nourriture était bonne, qu'ils veulent me recruter. Qu'est-ce que je dois leur dire? Tu crois qu'ils plaisent bien? T'as raison, l'argent avant tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tiens donc, regardez qui nous avons là, mon cher binocle. Je ne vois que le mur, Dame Shira. Il est con celui-là. Mais non, mon cher, à votre droite. Ah, mais qui est ce jeune homme? Je vous présente Banane. Souvenez-vous, je vous avais parlé de lui. Banane, voici l'admin Binocle. C'est toi qui embête Dame Shira. Du calme, mon ami, nous allons simplement nous débarrasser de ce gêneur et l'emmener au QG. Laissez-moi faire, Dame Shira. La team Nebula ne va tarder. Profitez-en pour rentrer. Très bonne idée, mon ami. Amusez-vous bien. Ah, Banane. Je te garantis que tu vas me payer la casse de la machine à ordures. Ah, onde. Pff, pardon. J'ai lu un peu rapidement. Très bien, il est temps que. Il est marrant celui-là. Il est trop marrant. Je disais donc, il est temps que je te fasse comprendre qu'on ne doit donc pas gêner Dame Shira. Ok, donc un nouvel admin. Ils sont beaucoup d'admins, hein, dis donc. Ils sont beaucoup. Hein. Binocle. Il est marrant, mais je trouve rigolo. Métamorphe. Alors, métamorphe. Je sais pas si tu vas pouvoir faire morphing avant, mais je vais essayer de te faire un toxique. Voilà. Comme ça, même si tu te fais morphing en tentacruel, eh bien, voilà, ça c'est fait. Surf, on va tenter, ça va pas faire énormément de dégâts, je me doute, mais. Oh, quoique.
Oh! Ouais, quand même! Quand même! Donc voilà, Ryu, ça devrait aller. Normalement, on va surf et au prochain perte de PV, ça devrait aller. Voilà. Déjà, un débarrassé sur 4. On a bien géré le métamorphe, je pense, parce qu'il aurait pu nous poser des soucis. Ronflex. On va l'empoisonner aussi parce que il va être compliqué après à gérer. Quoi? Oh non! Ah non, ah ça c'était pas prévu. Torio. Séisme, je sais pas ce que ça va faire comme dégâts. Ah, au moins la moitié, j'espère, non? Allez, séisme. Ah, s'il fait giga impact, il risque de me défoncer, je me doute bien, mais. Ouais, là je suis mort a priori. Ce serait une grosse surprise que je survive. Allez. Aïe aïe aïe. Bon. On a encore Kikai. Et on peut faire Machination. Voilà. J'ai 3 psychos. Donc faut bien les utiliser. Faut bien les utiliser. Ouais. Voilà. Bon, déjà, Ronflex, c'est fait. Je pense qu'il y a moyen de quand même de réussir à. Ah voilà, Nostanfer, parfait. Il est poison, donc il va pas résister, je pense, à un psycho. Et après le dernier, bah, je sais pas ce que ce sera. On fera avec les coups de boule, on se débrouillera. Ok. Lui, on va tenter de le finir avec les coups de boule. On va finir avec les coups de boule, comme ça on garde un psycho pour après, comme ça, comme je sais pas qui c'est. Voilà. Ah purée. Il a survécu. Voilà. Donc déjà, Kikai, bravo. Et il monte pas de niveau, dommage. Et Ariyama. Donc, je sais pas s'il peut me faire. Je sais pas si je suis plus rapide. Ah, je pense quand même que je suis plus rapide. Mais au cas où, on va quand même s'augmenter. Close combat. Ok, au pire, il me refera close combat. Et Psycho. Ok, on attaque en premier. Là, je pense que ça va le mettre KO. Là, ça m'aurait un peu embêté de devoir tout refaire. Ça m'aurait un peu embêté. Mais là, normalement. Quoi? Je le mets pas KO? Tu plaisantes? Et close combat, ça te baisse aucune. Attends, attends, attends. Attends, close combat, ça lui baisse aucune stat. Il me semblait que ça baissait au moins l'attaque ou la défense, je sais pas. Et là, il peut faire à l'infini. C'est surprenant. Il me semble qu'il y a un petit problème là. Gaz toxique? Non. Attends, il m'a enlevé 126, 85, 69. Non, 59 même. Allez, gaz toxique! Ah, mais c'est vraiment de la merde cette attaque. Bon, il y a un moment où t'auras plus close combat. Là, je vais quand même me soigner. J'ai vraiment pas envie de tout refaire. Hein. Et j'ai encore quelques hyper potions. Donc bon, autant en profiter. Réveil forcé. Ok. Ouais, en fait, depuis le moment où j'ai fait mes gaz toxiques, j'aurais pu faire les coups de boule. Ça aurait été bien plus productif, bien plus intéressant. Ouais, en fait, j'ai perdu du temps. Mais c'est pas grave. Normalement, ça devrait le faire. Allez, fais Upper-le un coup. Non. Ok. Ok, et là, c'est bon. S'il te plaît. Oui, parfait. Parfait, du coup, eh ben en plus on monte niveau 58, ça c'est cool. Et on a gagné, on a battu Binocle. C'est impossible, Dame Shira, pardonnez-moi. là là, qu'il est rigolo ce Binocle. Non, non, et non, je ne vais pas me laisser vaincre, ça va être encore la mèche avec sa coupe parfaite qui va la ramener ensuite. L'admin préféré de Dame Shira, ça sera moi. Et je le deviendrai en te ramenant au QG. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il veut pas qu'il. Oh, il a voulu me kidnapper! Oh, il a voulu me kidnapper, qui a fait ça? Bah oui, c'est qui ça? Il est interdit d'attaquer les amis de mes amis. Mewtwo, qu'est-ce qu'il fait là? Alors comme ça, le modèle de la Team Infinie est du côté de l'ennemi. C'est pas vrai. Je te conseille de fuir très rapidement. L'attaque de l'océan n'était qu'une diversion pour permettre à Dame Shira de s'enfuir à bord d'un autre hélicoptère. Vous avez peut-être arrêté nos plans à Kanto, mais vous n'avez pas triomphé de la Team Infinie. Nous reverrons. Nous vous reverrons ou nous nous reverrons? J'ai pas bien vu. Banane, je suis Mewtwo, un ami de Blue. Ravi de te rencontrer. Je te remercie. Pour ce que tu as fait ici, ressortons, nous sommes attendus. Oh oui, nous sommes attendus. Ah oui, il y a du monde. Hein. Ah, excellent travail, Mewtwo. Et bien sûr, toi aussi, Banane. En effet, chef, nos pertes sont estimées à zéro. La machine à ondes ne fonctionne plus et Shira est en fuite. L'opération est un succès. Bon, par contre, il n'y a plus d'électricité, mais je compte sur les capacités de Banane pour rétablir tout cela. Mais je suis dresseur de Pokémon, je ne suis pas électricien. Hein. Tant que j'y suis, c'est ici que tu avais affronté Joeve à l'issue de ta victoire contre le Major Bob. Pourrais-je lui montrer qu'il ne vaut rien face à moi? Oh non! Non mais tu déconnes là. Je plaisante. Ben oui, il vaut rien. Enfin, moi je vais me faire défoncer. Ah, attends, ils sont tous soignés. Je crois qu'ils sont tous soignés.
Non? Shinobi, ouais, ils sont tous soignés, parfait. On va tenter quand même le coup. Mais attendez, mais on s'est débarrassé vraiment de la team infinie, c'est... C'est fini? Enfin, la team c'est même infini, bref. Non, mais je veux dire, c'est... Il y a encore des trucs après avec la team infinie ou... Après, parce que Johto est pas encore disponible, je crois. Hein. Il me semble. Blizzard, il va... Il réussit deux fois de suite Blizzard, si c'est pas scandaleux, ça. Oh là là, mais il arrête pas de mourir, Shinobi. C'est normal qu'il progresse pas. Il fait que mourir. Oh là 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 là. Donc, voilà, déjà. Lui aussi, il meurt. Donc, on est en 5 contre 5. Donc, voilà, après, on va cesser après ce combat, hein, si on peut, parce qu'il nous laisse pas de répit. Même pas une seconde. Plus d'abri, ok. Donc, après, on se laissera. Ça fera déjà un bon épisode. Ouais, tonnerre. En plus, j'ai remarqué, je pense que le fait de mettre... des épisodes tous les jours, je pense que ça fait un petit peu moins de vues par épisode, j'y réfléchissais. Mais, enfin, je veux dire, si tu postes une vidéo par semaine, peut-être elle est un peu plus attendue et t'as plus de vues. Mais, alors que si t'as des vidéos tous les jours, eh bien, c'est un peu plus compliqué parce que les gens, ils peuvent pas arriver à suivre tous les jours. Du coup, bref, je m'étais fait cette réflexion, j'ai essayé d'observer. Mais bon, après, peu importe, moi, j'ai quand même mon rythme, je vais pas changer, hein, je fais pas ça... Je fais pas ça pour les vues, mais il y a quand même du monde qui suit régulièrement 200 vues en moyenne, c'est quand même vraiment beaucoup. Et sachant qu'à la fin de la semaine, ça finit à 300 vues. Enfin, je veux dire, c'est vrai que je m'en fiche, je continue mes let's play sur mes jeux, ça y est, c'est sûr et certain. Mais ça fait quand même plaisir de voir que, on n'est pas tout seul à jouer, quoi. Et voilà, tout ça pour dire qu'encore, je vous remercie. Bien sûr, je continuerai à jouer à mes jeux dans tous les cas, mais c'est quand même grâce à vous que j'ai cette motivation la plupart du temps. Et voilà, donc merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux à suivre. Ça me fait vraiment très plaisir, même si je le dis pas souvent. Mais cette attaque, je l'ai fait 4 fois, j'ai réussi une seule fois, c'est incroyable. Putain, par contre, ça enlève beaucoup. Bon, on va changer, nous. On va mettre Ryu, ouais, je sais pas. De toute façon, il va mourir, donc... Au moins qu'il change, mais je pense pas qu'il va penser à changer. Allez, résiste, Ryu. Putain, ça fait mal cette attaque, c'est terrible. Bon, après, il était coup critique, je sais bien, mais. Allez, surf. Je sais pas si de toute façon ça va le mettre KO avant qu'il soit KO lui-même. Allez, plaquage. Non, ça devrait aller. Ok. Et là, il meurt tout de suite. Ok. Bien joué, Ryu. Alors là, il lui en manque un. Non. Fogler, il lui en manque un. Nezumi, à toi. De jouer. Et puis bien sûr, quelle attaque je vais faire. Ça va pas être une grosse surprise. Tonnerre. Tonnerre, tonnerre. Et je sais pas si ça va le mettre KO du premier coup. Je sais pas, tonnerre. Ok, très bien. Bien joué mon petit. Mon petit. Une 450. Ok, leader Nibula. Oui, c'était carrément le leader. Cuff cuff, stop, plus taper. Oula, mais on dirait que je l'agresse. Hé, hey, ton niveau n'est pas mauvais en effet, je comprends qu'il y ait eu du mal face à toi. Quoi qu'il en soit, je souhaiterais te remercier en t'offrant ce petit cadeau. Après tout, il faut bien découvrir de nouveaux horizons. Et du coup, ça nous emmène où? Vous obtenez l'Unipass. Ah, la première île Sévi. Ah, on va peut-être la rencontrer aux îles Sévi, alors la team infinie. Je te remercie pour ton aide, Banane, et je te souhaite bonne chance dans ta quête pour devenir maître de Kanto. À ce propos, le champion de l'arène de Jadiel est de retour. Peut-être devrais-tu y faire un tour. Nous reverrons Platon Indigo, mais ce ne sera pas moi le maître cette fois-ci. Je dois aussi te remercier pour avoir combattu la team infinie de toutes tes forces. Nous reverrons, Banane. Ok. Eh bien, on a dit au revoir à tout le monde. On va se laisser ici pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on continuera peut-être d'essayer de remplir quelques quêtes. Et puis là, on va se diriger en direction de Jadiel. Je pense pas qu'il faille aller aux îles Sévi. Non, on va déjà se diriger vers Jadiel. Et en plus, après, on pourra faire la quête de faire la reine de Jadiel et parler au professeur Shen. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je sauvegarde, ça sert à rien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Cette 12e ou 13e partie, je sais pas trop. Et je vous dis à bientôt à tous. Bisous, bisous, bye.